quelle beauté. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et il dit, Éternel, et la prière me touche là. Il dit, Seigneur, il dit, toi, Éternel, toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts, viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Et l'Éternel, Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme, Seigneur, qui remporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Dites pas gloire à Dieu. Imaginez-vous la prière qu'il a fait. Seigneur, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Vous savez que c'est facile pour Dieu de venir en aide aux faibles. C'est facile. C'est très facile. Parce que le faible, il reconnaît qu'il a besoin. Quelle facilité pour Dieu. Écoutez, c'est écrit dans Job, chapitre 26, verset 2. Écoutez bien. Il dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. C'est facile pour Dieu de venir en aide à la faiblesse, à celui qui reconnaît qu'il a besoin. Comme le Stéphanie qui a témoigné, qui a dit, Seigneur, aide-moi. Comme la Fanny qui a dit, Seigneur, aide-moi. Comme toi, Tommy, on a dit, Seigneur, aide-moi. Il dit, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Je ne sais pas si tu as de la force ce soir, mais si tu as besoin de son aide devant Dieu, va venir t'aider, écoute. Mais c'est difficile. Je n'ai pas dit c'est impossible. J'ai dit c'est difficile d'aider quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui se croit fort. C'est difficile. La Bible, elle le dit dans les évangiles. Un jour, il y a une ville que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Incroyable. C'est quand même incroyable que Jésus, Dieu, n'a pas pu faire de miracle. La Bible dit à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. Il l'avait méprisé. Ah, c'est le fils du charpentier. Va rien faire pour nous, lui. C'est le fils du charpentier. Et puis il y en a qui sont comme ça, tellement orgueilleux. Mais j'ai pas besoin, je connais moi, je sais moi. Mais Asa, il a reconnu que Dieu pouvait aider le faible comme le fort. T'es fort, t'as besoin de Dieu. Tu connais la Bible par cœur, t'as besoin de Dieu. Tu t'en sortiras pas sans lui. Tu t'en sortiras pas sans lui. On s'en sortira pas, Sinto l'ancien. On s'en sortira pas sans lui. C'est lui qui va sauver nos familles. Ah, on a beau faire du protocole, excusez-moi, on a beau faire des soirées, ce que vous voulez. Si c'est pas animé par le Saint-Esprit de Dieu, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien. On a besoin de l'intervention de Dieu. Dieu intervient. T'as besoin d'une intervention de Dieu? T'as besoin qu'il se passe quelque chose chez toi? Écoute, et je termine là. Dieu l'aida. Et il y a un autre texte qui dit, il l'aida puissamment. J'ai besoin d'une aide puissante. J'ai besoin d'une aide puissante. Il donne de l'aide aux faibles comme aux forts. Et vous savez, les forts, des fois, ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement durs, les forts, que Dieu, des fois, permet la difficulté, la situation adverse pour l'affaiblir, afin qu'il reconnaisse son état. Parce que vous savez, des forts, face aux problèmes, il n'y en a plus. J'étais aumônier à Bois-d'Arcy pendant quelques années, mon petit frère, aumônier de Fleury-Mérogis. Vous savez, des forts, des bandits, des braqueurs, j'en ai vu qui faisaient 2 mètres, des gens qu'on se courbait devant eux dans le monde. Et puis un jour, j'entre à Bois-d'Arcy, un homme me dit, Nortan, voilà le maton, il me dit, il y a un gitan qui vient d'arriver, il veut te voir. Il dit, attention, il n'est pas commode. Je dis, Seigneur, il n'est pas commode, c'est qui? Il a fait ça, il m'explique un peu le monsieur, l'autre aumônier, c'est un garçon compliqué. Et puis là, je rentre. Je tape dans la cellule, j'avais la clé, je tape dans la cellule. Et puis quand j'ouvre la porte, je vois un homme, un fort. Et vous savez ce qu'il a fait, le fort, quand il m'a vu? Il a pleuré comme un petit bébé. Il a pleuré, il m'a pris dans les bras, il dit, ça fait des semaines que j'attends un pasteur. Il connaissait le Seigneur, il dit, ça fait des semaines, j'ai besoin de Dieu. Frère, prie pour moi. Est-ce que tu es capable de faire ça ce soir? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Qui c'est qui est capable de le faire ce soir, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Dieu te bénisse, pasteur. Je termine avec ce dernier témoignage. Écoutez, l'intervention de Dieu. Asa, Dieu l'aida. Ozias, Dieu l'aida. Vous savez, David, il est descendu dans la vallée. Vous croyez que c'est par ses forces à lui? Vous croyez que David a terrassé Goliath par ses forces à lui? C'est parce que Dieu l'aida. Moïse est allé ouvert la mer. Vous croyez que c'est par ses forces à lui? Non, c'est parce que Dieu l'aida. Vous savez, notre mission, Ville Lumière, elle a commencé avec les petits du ville, Seigneur, au bord d'un feu. Vous croyez que c'est à cause de leur force à eux? Non, Dieu les a aidés. Dieu veut t'aider. Dieu veut intervenir pour toi ce soir, si tu le crois. Écoutez, un jour, mon père, il avait un associé qui n'était pas chrétien, un homme très dur. Un homme qui était contre l'évangile, même pas la peine.
un homme, on peut dire le mot antichrist. Antichrist. Et puis un jour, cet homme, il avait fait un peu esprit. Moi, j'étais tout petit. Et puis, il a dit à mon père, écoute, c'est ce qu'on va faire, les Tannis. Il dit, je vais te payer, je te paye un restaurant dans, là-bas, dans le restaurant de Monaco. Dans le restaurant du casino. Mais l'homme avait fait un coup de vis parce qu'il voulait, que ma mère aille dans le casino pour se moquer d'elle, comme c'était une chrétienne. T'es gentil, hein. Et puis cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait avec mon père, il dit, allez, je vous paye un restaurant, ma mère voulait pas y aller, et puis elle est dans l'auto. Allez dans l'auto. Et puis ils vont au casino, puis d'un seul coup, ils mangent au restaurant, ma mère se sentait un peu mal à l'aise, elle était là, c'était une enfant de Dieu, elle dit, Seigneur. Elle dit, surtout, tu après, on rentre pas dedans, moi je joue pas, moi je veux pas rentrer, moi je suis chrétienne. Puis mon père, bon, c'est, elle obéissait, elle pouvait rien faire, elle a converti mon père. Bon, elle dit, écoute, tu la fermes, hein, puis on va au casino. Puis il rentre dans le casino, puis il gagne. Et là, l'homme, il dit, bon, il dit, je vous paye une bouteille à la boîte. Mon père, ma mère, là, dans tout traumatisé. Et puis là, il commence à se moquer. Le sourire diabolique. Et vous savez ce qu'il dit? Ma mère s'appelle Canaille. Il dit, la petite canaille ce soir, elle va danser le swing, la petite chrétienne, on va t'amener dans une boîte de nuit. Et puis là, il commence à rouler en direction de la boîte de nuit. Il commence à rouler en direction de la boîte de nuit. Et l'homme, il commence à rigoler dans le rétroviseur, il se moque un peu, il se moque. Vous savez, le diable, des fois, il se moque. Et puis d'un seul coup, ma mère est derrière et elle fait ça. Cette prière merveilleuse, cette prière tout simple, cette prière du cœur, a dit, Seigneur, tu sais que je veux pas y aller, tu sais, Seigneur. A dit, Seigneur, aide-moi. Fais quelque chose, aide-moi. Il se passe deux minutes, il arrive la BAC. Il bloque l'auto. Il prend l'homme, sors de là, toi, maintenant, directement, au commissariat. Toute la nuit, il a passé au commissariat. Et comme il est sorti le lendemain, il a regardé mon père. Il a dit, plus jamais de ma vie, j'amène ta femme avec nous. Elle m'a porté la poisse, ta femme. Une intervention de Dieu. Que Dieu soit béni. Eh bien, je le crois ce soir, mes frères et sœurs, écoutez. On est ici à l'église d'Argenteuil. Il y en a eu des miracles ici. Il y en a eu des guérisons ici. Il y en a eu des personnes bénies ici. T'es pas le premier à venir ici, mon ami, ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus, ce soir, ici, maintenant, ta vie change. Je le crois ce soir. Ta situation elle change. Mais je suis chrétien, l'entend, je fais que de prier. Oui, mais il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Excusez-moi, des fois tu pries pendant des jours, ça marche pas. Puis un jour tu saisis la parole de Dieu, tu dis, eh ben j'y crois. Et la situation elle change. Alors on va faire quelque chose avant de chanter un cantique. Écoutez, on va fermer nos yeux. Et je demande à quelqu'un au nom du Seigneur. Si quelqu'un ce soir, excusez-moi, on a dit que les orgueilleux, Dieu ne peut pas les bénir. Il faut être humble. Au nom du Seigneur, vous avez une liste, vous avez des problèmes, des difficultés. Excusez-moi, mais je prends l'autorité, au nom de Dieu, je prends l'autorité ce soir. Parce que je sens que Dieu parle. Une main levée, c'est trop facile.